Omine terre, soupira après l'odyssée, nous appelons la rosée, de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée. Descendez nos tours, ô divine zone, venez arroser-nous, descend au prix abondant, pour affronter notre cœur. Donna la meranguissante, une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nos tours. Prenons le psaume 65. Nous lisons la parole de Dieu. Avec confiance au Dieu, on te louera d'Asion. Et l'on accomplira l'éveil que tu as fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités macabres. Tu pardonneras nos transgressions et reste celui que tu choisis et que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple.
Dans ta bonté, tu nous exauces des pas des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il laisse des puissances. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs faux et le timide des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu donnes l'abondance. Tu la consoles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est près d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année par tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chats retentissent. Amen. Comme une terre à télé, soupir après l'Odyssée. Nous appellerons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez Notre Père Céleste, notre Dieu, c'est sous ta main puissante que nous nous tenons. Oh Dieu, pour vraiment te dire encore merci. Merci de ce que nous pouvons avoir cette grâce de pouvoir nous tenir encore parmi les vivants aujourd'hui. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, c'est cette fraîche rosée que nous désirons tant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que tu puisses vraiment nous arroser, nous inonder encore davantage, mon Père, et que nos cœurs puissent vraiment, par ta puissance, Dieu, t'exalter encore, parce que réellement, c'est ce que tu as fait comme promesse. Et cette promesse, nous la voulons, Père Saint-Dieu, en attendant la grande promesse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu l'as déjà fait, Seigneur, et nous voulons simplement nous approcher de toi pour recevoir, parce que comme l'apôtre Pierre le disait, cette promesse est pour vous. Nous te disons merci encore ce soir, mon sauveur. Nous venons à ta maison pour que réellement qu'il y ait un changement véritable et profond, Seigneur Jésus, et qu'il y ait vraiment une relation aussi profonde, Père Tissant, établie entre toi et nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, ce que nous désirons et que nous prions encore davantage, mon roi, c'est que tu poses ton sceau sur chacun de tes enfants, toi encore, dans ces lieux et ceux qui sont aussi en connexion, Père. Nous voulons avoir cette communion avec toi. Père, nous te remercions et c'est temps que tu nous donnes encore, mon sauveur, parce que tu as dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je les ôterai des cieux. C'est pour ça que nous nous rassemblons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, te suppliant, mon Seigneur Jésus, que tu puisses agréer. Nous l'avons entendu encore les psaumes, on te dit, toi qui aimes, qui écoutes les prières, mon bien-aimé Seigneur. Quand tu écoutes, tu exauces aussi, mon sauveur. Nous ne voulons plus des habitudes, mon roi. Nous voulons vraiment une vie, des action véritable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et que nos cœurs soient vraiment remplis de toi, et qu'en sortant de cet endroit, nous puissions dire gloire à toi, mon Seigneur. Mon Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Et encore une fois, comme Samson le disait, encore une fois, mon sauveur, Seigneur, fais-les pour la gloire de ton Seigneur, mon roi. Ce que nous cherchons, c'est ta gloire. Ce que nous désirons, c'est que tu sois glorifié, Seigneur Jésus. Père, viens à notre aide encore. Merci pour ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour les chants et les cantiques, mon roi. Bénis notre précieux frère. Pas de mission, Dieu. Sachez, Seigneur, louange à toi de l'avoir conduit ainsi, Père Saint-Dieu, et pour ton peuple aussi, Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous désirons que le Seigneur nous aide vraiment, qu'il nous comble davantage pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Est-ce là que nous pouvons réellement aussi le contempler et aussi bénéficier de ce qu'il lui, il a eu à pouvoir, parce que c'est là que se trouvait la manne, c'est là que trouvait effectivement aussi les bâtons d'en rond. Nous remercions Dieu parce que nous voulons vraiment vivre des moments aussi bénis dans notre marche avec lui, des moments où le Seigneur, notre Dieu, a agi encore puissamment dans chacun de nous. Il faut que nous avons ce désir que chaque jour et chaque instant qui nous reste maintenant, que le Seigneur vivifie encore davantage ce que nous sommes, notre intérieur effectivement et notre être tout entier. Que nous soyons vraiment le temple de l'Esprit de Dieu, le temple de l'Éternel, qu'il prenne possession de chacun de nous. Je glorifie le Seigneur et je le remercie encore ce soir, parce que nous avons vraiment la joie d'avoir notre précieux frère Marcel, notre précieuse sœur Marilyn, notre précieuse sœur Marie-France. Et je crois aussi que j'aurais entendu que... Oh, mais que je vois... Mais c'est mon frère Enzo qui est là-bas. Que Dieu te bénisse. Et j'aurais entendu que vraiment que notre frère... Comment il s'appelle? Lloyd. Et notre sœur Marie seraient probablement en route. Sont-ils arrivés probablement? Où est-ce qu'ils sont? Je ne vois pas très bien. C'est peut-être les colonnes qui sont là. Ah, ils sont de l'autre côté. Je ne vois pas très bien. Mais que Dieu le bénisse et qu'il les soutienne aussi. Oui, ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils sont à l'extérieur, mais ils viendront. Que Dieu soit béni. Mais c'est vrai que mes yeux ne voient pas tellement très bien. Ah, mais je vois aussi là-bas notre sœur Francine. Que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir vous voir encore et ce soir et dans la joie aussi de pouvoir avoir la communion autour de la parole de notre Dieu et surtout de pouvoir aussi les glorifier au travers des chants et des cantiques et avoir la communion les uns avec les autres. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, nous voulons vraiment rentrer dans la présence de notre Seigneur, qu'il daigne nous aider et nous secourir encore davantage. Ces temps et les moments que nous vivons sont des temps bénéfiques pour le peuple de Dieu. Ce sont des temps qui sont difficiles et problématiques, effectivement aussi, pour le monde, effectivement aussi, parce que le monde est sans orientation aujourd'hui, certainement. Et on voit que, dans réalité, les décisions que le gouvernement prenne, effectivement, sont dans la précipitation aussi, parce qu'ils savent plus tellement très bien ce qu'ils doivent faire. Quand ils calment d'un côté, effectivement, et ça saute de l'autre côté. On essaie de pouvoir éteindre le feu, mais ça brûle d'un côté et de l'autre, effectivement. Et on ne sait pas tellement très bien. Et alors, on cherche à pouvoir trouver des moyens, des voies et moyens pour pouvoir faire en sorte que les climats, les ceci, les cela, pour réguler tout ça. Parce que le monde est dans l'anxiété. Le monde est vraiment dans la peur. En fait, quand on entend effectivement aussi leur projection aujourd'hui, et ce qu'ils donnent comme déclaration aussi, prédiction selon leur calcul, effectivement, tout est dans les désarrois, en fait. Financièrement et puis politiquement, dans tout, effectivement, et dans les désarrois. Bon, quand on voit aussi comment... De l'autre côté aussi, là-bas, au Proche-Orient, ça brûle effectivement aussi. Et puis, non seulement cela, parce qu'on m'en a fait référence, parce que bon, on m'appelle aussi les différents endroits, me faisant part effectivement, bon, avec ce qui s'est passé en Russie, en Ukraine, et puis maintenant en Israël, de l'autre côté, c'est presque partout qui s'embrase effectivement aussi. Mais gloire au Seigneur. Amen. Et vous savez que la Bible dit que quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, relevez-vous, redressez vos têtes, car votre rédemption proche, oui, c'est que nous, en tant que peuple de Dieu, on peut nous critiquer et dire ce que nous voulons. Mais mon frère Enzo, j'ai été demandé de pouvoir venir devant. Viens par ici. Donc, on peut nous critiquer, on peut dire ce qu'on... Les gens peuvent dire parce qu'on nous prend toujours pour des gens de rien du tout. Mais nous avons la grâce de Dieu de pouvoir réellement réaliser que le Seigneur, notre Dieu, il réellement nous conduit parce qu'il nous montre déjà les choses qui doivent arriver avance. Voyez-vous, c'est ce qu'il a dit dans les livres de psaumes, enfin d'Apocalypse, effectivement, quand il est venu vers Jean qui lui a parlé, effectivement, dit, il a dit sur les choses qui doivent arriver, effectivement, aussi. Il ne peut pas nous laisser dans les ténèbres, nous
qui sommes réellement son peuple. Et nous avons, comme notre précieux frère Zachée l'a répété tout à l'heure, je pense, dans sa prière, quand le Seigneur parla à Abraham, disant, « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Il ne pouvait pas lui cacher, parce qu'Abraham était vraiment dans le programme de Dieu et que lui, il avait aussi un rôle à jouer, effectivement, aussi dans tout le processus, en réalité, car il en donnera à ses enfants de marcher, de veiller à ce qu'il se tienne, effectivement, dans la parole, parce qu'il l'avait dit lui-même, il a crié, il dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir déclaré à un homme, effectivement. Et Dieu est toujours parfait. Et quand il dit quelque chose et qu'il place aussi sa confiance dans quelqu'un, c'est qu'il connaît cette personne. C'est pour ça que nous désirons, surtout dans ce temps où nous vivons, effectivement, aussi, que Dieu, notre Seigneur, ait aussi confiance en nous. Oui, frère et sœur, tu dois désirer cela, sœur. Tu dois désirer cela, ma sœur. Ne sois pas comme une momie, comme ça. Non, tu dois être dit, si quelqu'un dans qui le Seigneur peut avoir confiance aussi, et ça doit être moi. Parce qu'il ne va pas faire confiance aux arbres, ni au bois, à la pierre. Non, en fait, c'est les hommes. Vous devez comprendre, effectivement, parce que quand je parle de cela, c'est la vérité, parce qu'il est fait, puisqu'il a, il a eu à pouvoir avoir la joie d'Abraham. D'abord Abraham, et puis nous voyons aussi dans Job. Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il a dit que il n'y a personne comme lui. Je voudrais tant que Dieu dise ça de toi aussi, mon frère. Surtout dans un temps aussi mauvais. Que quand le Seigneur te regarde toi, jeune frère, jeune soeur, mon frère et ma soeur, qui disent qu'en tout cas, parmi les jeunes filles, parmi les jeunes hommes, je n'ai pas vu un jeune homme comme ça. J'arrive à ce stade-là. Que Dieu puisse, quand il me regarde aussi, qu'il puisse... C'est vrai, vous cherchez à plaire à qui? Au monde. Le monde et sa convoitise, c'est écrit noir sur blanc, ça va s'accomplir. Donc, effectivement, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Alors moi, je vais être du côté de ceux-là. Ils font vraiment la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas compliquée. Il suffit simplement que toi et moi, nous le désirons, frère. C'est vrai. Alors nous sommes capables de pouvoir accomplir cette volonté de Dieu. Parce que s'il a manifesté sa volonté, ce que toi, tu dois être la personne au travers desquelles aussi tu dois prendre plaisir à accomplir sa volonté. C'est ce qu'il a dit, non? Vous le connaissez, non? Tous ceux qu'il a connus d'avance. Toi, il t'a connu d'avance? C'est pour ça que tu dois te réjouir. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et c'est là, oui, que ce qu'il a donc connu d'avance, il les a aussi appelés. Qu'il a appelés, il les a aussi justifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est écrit. Si donc Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Et dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes donc plus que... Donc vous voyez que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout compliqué, difficile. Parce que si nous aimons le Seigneur, alors, toute chose que Dieu nous dit semblerait donc facile. D'ailleurs, quand nous pouvons regarder tout de même, frères et sœurs, quelle est la chose qui est difficile pour nous? Que Dieu nous aurait demandé qui sera difficile. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de ta force. Tu es capable de le faire. Amen. Est-ce que c'est difficile? Et puis, ce qui est merveilleux aussi, c'est que... Le fait que tu lui dises que je t'accepte, mon Seigneur, il te donne la capacité de pouvoir faire les choses. Il n'y a rien de compliqué, mon frère et ma soeur. Nous, c'est nous-mêmes qui nous compliquons les choses. Parce que, avec lui, tout est facile. Parce que regardez, s'il vous plaît, frères et sœurs. Vous savez, comme le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures, que, d'abord, c'est ce qu'il a dit aussi dans la parole de Dieu, nous savons, on dit, mais à celui qui veut encore. Donc, nous connaissons
que dans chaque âge, il y a toujours des vainqueurs. Mais toi, tu es vainqueur parce que le Seigneur a fait de toi vainqueur. Dans les âges qui ont précédé, effectivement, nos frères et nos sœurs, étant des humains comme vous et moi, on le prend, on le met sur le bûcher, on le brûle, on le prend, on le coupe, on cisaille, on le prend, on le met même dans les arènes des lions, on voit bien les lions qui viennent. Mais ce qui était étonnant pour ce Néron, roi là, effectivement, qui était l'empire romain, vous connaissez cela, Néron qui était l'empereur, effectivement, aussi, qui a accusé injustement, effectivement, les chrétiens. C'est dans les temps aussi, quand on parle des temps de martyrs. Alors on les a arrêtés parce qu'ils n'avaient rien fait de mal, parce qu'ils aimaient seulement le Seigneur. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais on les a amenés dans les arènes. Et ce n'est pas une histoire, c'était vrai. Ils ont laissé les lions, ils ont tout fait, effectivement. Bon, ils ont mis là, ils ont laissé les lions pour qu'ils viennent, effectivement. Puis d'autres ont brûlé, effectivement. Mais ce qui était étonnant, c'est de voir que ces gens-là, ils ne se plaignaient pas, en fait. Ils glorifiaient simplement Dieu. Ils, comme ils disaient, chantaient, effectivement, pendant qu'on les torturait, en fait, en réalité. Et c'était des hommes, effectivement, et des femmes comme vous et moi. Mais ils ont enduré cela. Ils ont enduré. Vous et moi, nous n'avons pas enduré aussi des souffrances comme cela. Non? Mais vous pouvez remarquer qu'effectivement, que dans leur temps, effectivement, ils ont enduré, ils ont accepté cette souffrance de souffrir pour Christ notre Seigneur. Et pour accomplir la volonté de Dieu dans leur temps. C'est-à-dire que le Seigneur les avait vraiment équipés à cause de l'amour qu'ils avaient à l'endroit du Seigneur. Ils avaient équipé pour que dans ces temps-là, qu'ils puissent accepter même d'être sciés sans renier le Seigneur. Donc vous voyez que, frères et sœurs, c'est vraiment possible que la parole de Dieu puisse aussi avoir la possibilité de pouvoir s'accomplir effectivement aussi dans notre vie. Je me réfère à ces psaumes que nous avons lus avec vous. Je crois que nous en avons parlé 2-3 fois. Dans le rouleau du livre, il est écrit des mots. N'oubliez jamais ce que nous entendons, effectivement. Ne soyez pas comme les gens qui sont assis là-bas, des auditeurs simplement si on écoute bien. Non, c'est donc ce que nous écoutons, c'est que ça puisse trouver une place pour nous dans notre cœur. Je crois que dans les livres de Colossiens ou Philippiens, quelque chose comme ça, l'apôtre Paul a dit quelque chose de tellement merveilleux et qui doit nous interpeller encore aujourd'hui, encore pour nous, frères et sœurs, dans ce temps où nous vivons. Nous avons une tâche à pouvoir accomplir. Ce dont nous devons chercher, c'est que vraiment Dieu soit glorifié en nous. Bien sûr que oui. Que les mondes dont la débauche est tellement maintenant sont pleins, qui on doit tous ce qu'on a la promiscuité, même les gens ne se cachent plus. Le mal est devenu le bien. Et le bien est considéré comme étant le mal. Mais que toi, tu puisses briller dans ce monde où les ténèbres s'apaisantent comme ça, qu'on te voit briller aussi comme la lumière. C'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, que je suis la lumière du monde et vous aussi, vous êtes aussi la lumière. Oui, c'est important, ma bien-aimée sœur. Nous ne sommes pas assis simplement pour dire, bon, on écoute et puis gloire à Dieu, on chante, on sort. Non, je voulais toujours répéter ici, frère et sœur, cette parole. Elle est d'un côté une bénédiction pour vous qui croyez, mais aussi un jugement, une condamnation. Vous aussi qui doutez, qui vivez une vie tout à fait double. Donc, faites attention, parce que c'est bien de pouvoir s'asseoir et écouter, mais aussi vous écoutez aussi un jugement pour vous. Parce que déjà, de maintenant, comme nous l'avons dit, alors, je disais, voilà que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il a dit quelque chose de merveilleux, je pense, dans le livre de Colossiens, que nous allons pouvoir en trouver ici. Hein. Colossiens, ah, c'est cela, probablement, cela. J'aimerais bien ça, c'est vraiment cela. Et il l'a exprimé d'une manière tout à fait extraordinaire. Il mettait cela. Aussi, merci Seigneur. Bon, je vais te dire, merci. Ah, je suis précis. Voilà, c'est pas si, c'est si.
Bon, on va voir que c'est un fils. Il y a un fou, c'est un fou, c'est un fou. Il y a un fou. Ah, on dit que c'est. Ah, merci. Ah, ici, c'est. Bon, il y a ici. Nous avons déjà lu cela ici, mais je pense que c'est. Ah. À moins que je ne puisse pas dire que je ne sais que c'est pas tant le temps des mots de bord ici qu'à dire. Voilà, si, c'est que si. J'aimerais bien les lire. Mais vous savez, quand je cherche comme ça, c'est sous mes yeux. Et après, je le retrouve, j'ai dit, mais c'était là que j'ai tenté de pouvoir lire. Mais nous avons déjà lu effectivement cela dans les scènes. Les Écritures, et bon, si je les cite, vous le savez, effectivement, cela, mais je voudrais tant les lire. Bon, mais je pense que c'est dans Colossiens, cela, mais je ne sais plus très bien. Alors, vous savez, c'est cette Écriture-là qui nous dit, voilà, merci Seigneur, c'est toujours dans Colossiens, c'est écrit. Chapitre 1, c'est bien. Hein. Chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est donc l'Église. Et puis il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges me révélait maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, verset 28, il dit, « C'est lui donc Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ notre Seigneur. » Vous voyez, il dit, « Mais tout le travail que je fournis en fait, ce n'est pas que je présente quelqu'un de moitié. Non. Qu'il soit un peu le monde, un peu de Dieu, un peu froid, un peu bouillant. Non. Pas des hommes tièdes, mon frère et ma soeur. Mais des hommes bouillants pour le Seigneur et des hommes vraiment parfaits. Hey. Parce que cela est possible pour toi et pour moi, mon frère. Nous perdons notre temps parce que nous devons racheter notre temps et travailler pour notre salut, mon frère et ma sœur. S'il y a un temps où nous devons devenir davantage, je l'ai répété à maintes reprises, très sérieux pour notre salut à nous, eh bien, c'est ce temps ici. Oui, tout ce qui m'aide pas à avancer avec Dieu, je dois le pousser de l'autre côté. C'est pour ça que nous vous souvenez que nous avons eu à pouvoir les lire aussi ensemble, nous revenons ici tout à l'heure, ensemble avec vous, effectivement, dans la scène des Écritures. Je pense que c'était dans Timothée ou dans Timothée chapitre 3, quelque chose comme ça. Vous dites, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes, nous pouvons les lire, hein, regardez très bien. Timothée, je pense, oui, c'est 1, Timothée 4, ou c'est comme ça. Voilà, voilà, je suis cassé. Voilà, c'est 2 Timothée 3, verset 1, il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps vraiment difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous entendez cela? Ennemis des gens de bien. Alors, quelque chose qui est frappant, c'est que... regardez quand... Il dit,
traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, me reniant ce qui en fait la force. Il nous dit bien, et puis il nous conseille bien, là, on dit, on donne vraiment terminer la 20e, on dit, mais éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que ce n'est plus le temps de perdre du temps à autre chose. Je dois racheter le temps pour mon salut. Parce que là, c'est la Odyssée, c'est la vérité, mon frère, ma soeur, c'est difficile. Pour vraiment vaincre, alors là, il faut être revêtu. C'est pour ça que les diables déploient tout le moyen, il va vous donner la paresse. Ah oui, parce que si à un âge où on a donné, vous savez que je crois qu'aujourd'hui, je crois que les techniciens, les spécialistes aujourd'hui, ils disent une chose, effectivement, ils ont fait ça avant ça hier, j'ai entendu qu'ils disent, cette génération, la génération actuelle, c'est une génération qu'on a détruite à cause des réseaux sociaux, les gens sont devenus des aboutis. Et les gens sont devenus des accords comme c'est la drogue. On en a interrogé, vous avez entendu, non? Il se peut pas s'en passer des Facebook, de ceci. Vous y êtes aussi. Ils disent quand il commence, effectivement, il ne peut pas s'arrêter. Mais on vous aboutit. Le diable, il est malin. Vous y entrez dedans et vous sautez, vous dormez un peu avec ça sur les lits, effectivement. Et c'est ça le problème. Et puis vous devenez paresseux, effectivement. Quand il s'agit maintenant des choses qui touchent les spirituels, ça dérange votre intérieur. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits sont rentrés en vous. Les diables, ils cherchent par tous les moyens d'avaler beaucoup. Ils travaillent. Ils s'y est donné, oui, chacun de vous a des Facebook. Chacun de vous a des posts, effectivement, sur le réseau social, des ceci et cela. Qu'est-ce que vous en faites? Il y en a une jeune fille qui dit, oh, c'est une païenne, hein. Il dit, oh, j'ai fermé cela parce que c'est toujours, il faut toujours que je poste quelque chose. Parfois même quand je suis nu. Parfois, oui, c'est vrai. Vous dévêtissez, vous postez vos ceci, vos cela. Ça sert, vous vendez à des génitiles, là. Il n'y a plus de secret pour vous. Un bébé né, poste-moi sur Facebook. Un bébé, poste sur Facebook. Je ne sais pas, frère et sœur. Vous n'avez plus de dignité, il n'y a rien du tout en vous. Vous exposez vos vies partout. Je vais manger à Facebook. Je vais boire à Facebook. Je vais dormir dans un... Tout, partout où vous allez, on sait où vous êtes. Ce que vous faites. C'est pas possible. Aujourd'hui, la police n'a même pas cherché pour vous interroger. Non, vous savez maintenant ce qu'ils font. Ils cherchent vos Facebook, vos Instagram. C'est comme ça qu'ils attrapent les gens. Vous y publiez beaucoup de ceci et cela. Ah, tu sais, j'étais parti. Quand on n'a même pas pouvoir vous convoquer à la police. Hein. On sait comment vous avoir. Hein. Vous passez. C'est la vérité, ça. Vous êtes là, les enfants sont en train de regarder. On vous dit, n'y faites pas tout ça. Ah, il est vieux. Ce n'est pas problématique. Mais vous le regretterez. C'est le piège de l'ennemi, vous savez très bien. Vous devez publier vos histoires, effectivement, comment vous prenez une tinky dans la voiture. On sait ça. Vous chantez des saletés, des invalidités. Vous publiez. Tout le monde sait. Et puis, quand je parle, c'est effectivement vu aux jeunes sœurs. Vous voulez qu'on vous épouse, mais sur les Facebook. Et puis, vous vous faites, je ne sais pas moi, mes frères, on ne va pas vous prendre sérieux. Quelle est la femme que vous voulez épouser qui est exposée comme ça, comme une viande hachée? C'est pas possible. Ah, moi, je n'en veux pas. Parce que Dieu te bénisse. Tu as une femme, et quelqu'un comme ça qui s'expose comme une femme d'achat sur les Facebook, comme ça. Mais tu vas l'épouser, madame, tu vas souffrir. Toute ta vie à toi, tu es dans les lieux en train de dormir et t'as filmé. Ah, comment? Frère, je n'ai plus de vie privée. C'est vrai, c'est la vérité. Il faut qu'on comprenne que nous sommes un peuple différent. Un sacerdoce royal, une race élue, frère, mise à part, mon frère, saint été à l'éternel. Notre vie doit être différente. C'est ce monde ici qui doit prendre exemple sur nous. Non, ils doivent quand même. C'est vrai parce que vous le savez, vous connaissez, eux, ils ne savent pas. La nature aujourd'hui, elle est vomie, c'est vrai.
Tous les vomis, bien sûr, parce que le monde est tellement avec la tête, dit moi on vous vomit. Nous on vous vomit. Le soleil dit mais on tape tellement qu'on vous vomit effectivement. Il commence à chercher quoi, mais on va maintenant faire le climat. Mais parce que le climat vous a vomi. Et qui m'en est peut obéir simplement qu'au peuple de Dieu, c'est sûr et certain, à ceux qui obéissent à l'Éternel. Parce que la nature obéit à Dieu. Il a dit, vent, tais-toi. Mais le monde ne peut pas faire taire les vents. Alléluia. C'est la vérité, frère et soeur. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'un homme doit désirer une femme. Et il ne faut pas, c'est pas que il va, quand il va trouver une femme, il va dire, ah, je vais m'exposer. Quand il trouve tout ça, vous, ce que vous avez tout exposé, qu'est-ce qu'il va désirer? Et en plus, tout le monde entier connaît qui vous êtes. Et puis tu vas promener avec une femme donc qui a été passoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même ayez pitié de vous-même, je ne sais pas. Enfin bon, bref, on est là. Donc, donc c'est dire que, sachez dans les derniers jours, le diable, il s'est vraiment déchaîné. Parce qu'il est comme il régit comme un lion là, il perd son contrôle. Parce qu'il sait que son temps est très court. Il le sait, les démons, les ça. Parce que l'autorité de Dieu, Dieu est tellement si puissant qu'il faut ressentir qu'il. Mais c'est vrai ça. C'est vous les êtres humains. Vous vous souvenez? Le témoignage que nous a donné lorsque les tremblements des terres. Et c'était en Inde, je crois que c'était. Les tremblements de terre allaient avoir lieu. Ils ont trouvé un phénomène bizarre. Tous les oiseaux, tous les animaux s'éloignaient des clôtures, effectivement. Ils étaient. Donc ils disaient, mais pourquoi les animaux s'éloignent de tout ce qui est mur et tout ça? Ils se concentrent quelque part. Ils disent, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils n'ont pas compris cela. C'est que les animaux avaient senti, c'était l'alerte que Dieu mettait dans les animaux. Mais l'homme, insensé, parce que lui, il ne se rend même pas compte. Alors que c'était lui qui devait déjà être dans la condition quand un danger vient, le Seigneur le prévient. Bien sûr, ce n'était pas aux animaux d'avoir les dessus, c'était à l'homme de pouvoir avoir les dessus. Et alors, quand on est dans cette condition, effectivement, le Seigneur prévient. Alors, on se met aussi à l'abri, effectivement. Vous voyez-vous, parce que vous allez dire, ah, frère, sœur, oui, mais pour que vous puissiez voir que le Seigneur le fait. Le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque vous verrez Jérusalem, ah, restez à la maison. Non. Fouillez. Vous savez, les religieux sont restés là-bas quand ils ont vu Titus venir, effectivement, à Jérusalem. Vous savez cela, vous pouvez voir l'histoire, hein. Ils se disaient, bon, nous sommes nous prions Dieu, nous restons ici, dans Jérusalem, les temples, tout ça, Dieu nous protège. Non, Dieu n'était plus là parce que vous l'avez déjà rejeté. Mais les disciples, quand ils ont vu cela, effectivement, si quelque chose les a réveillés, ils disent, c'est maintenant le temps. Parce que le fait de pouvoir voir quelque chose vous réveille au-dedans de vous. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à pouvoir fuir. Donc, Dieu, cela, et jusqu'à ces jours aussi, c'est pour ça que, et souvent, quand on vous dit, vous c'est la vérité, ça. Avant de quitter votre maison, priez. Ne sors jamais en dispute avec ta femme ou avec ton mari ou tes enfants de la maison. Non. Avant de sortir, faites la paix. Même s'il y avait des problèmes, d'abord faites la paix. Rassemblez-vous. On doit sortir. Parce que, dehors, c'est que le diable prépare. Parce que vous entendez quand même aujourd'hui. Il y en a de ceux qui aiment bien mettre la ceinture autour des reins. Ils vont pas, tu sais pas qui ici, si quand il marche, là, il a sa ceinture autour de là. Et toi, tu montes, effectivement, tu dis, monsieur, non, non, monsieur, il a déjà sa ceinture là, il attend simplement. Oui, c'est vrai. Mais toi, si monsieur, la ceinture est là, tu veux monter dans les trams, tu attends, stop. Amen. Mais oui, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu veux forcer, tu ne rentres. Amen. Tu veux forcer, la porte se ferme. Amen. Tu dis, mais comment est-ce possible? Non, Dieu t'a préservé. Amen. Parce qu'il y a un monsieur avec la ceinture dedans. Nous avons un gardien, le gardien de nos âmes, mon frère et ma soeur. Ce que vous faites, ce n'est pas inutile. Je vous l'ai déjà dit, mon frère et ma soeur. Parce que, je dirais comme David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli.
La main de Dieu n'a jamais changé. Il vous garde dans toutes les situations. Je vous l'ai raconté, hein. Je crois que ceux qui sont ici comme de nouveau ne savent pas. J'ai travaillé quelque part, effectivement, avec... c'était dans une entreprise de nettoyage. C'était des bâtiments. Oui, oui, j'ai fait tous les jobs. Hein. Travaillé dans tel... Je vous l'ai dit, hein. Tout ça, oui. Dieu est bon pour moi. J'ai plafonné, sonné, j'ai planté, j'ai travaillé dans les jardins, j'ai travaillé dans la maison de nettoyage, oui, d'intérieur, oui, monsieur, j'ai fait tout les services. Et puis... ah. C'est bon, ça. Parce qu'on apprend dans la vie, en fait. C'est comme Dieu a fait avec Israël, il est répandu partout, il connaît toutes les langues, donc tu ne peux pas critiquer un juif. Ben oui, frère, ben oui, il connaît l'arabe, le néerlandais, l'allemand, les tchiluba, les lingala, les swahili. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ils ont été partout, un peuple particulier. Et vous, vous êtes allé critiquer. C'est comme une maman, je reviens à l'exemple, je donne. C'est comme une maman. Ça s'est passé, hein. Ils ont pris des trams, comme ça, ils sont rentrés ensemble avec une autre maman. Ils sont assis, ils ont vu une personne qui était là, assis là-bas. Et ben, vous voyez, c'était une, je sais pas, c'était une belle chouette là. Et puis, les mamans sont assises là. Ils ont commencé à insulter la personne dans leur langue maternelle, hein, et tu vois, comment elle est insulter la personne. Et la personne écoutait ça, me disait rien. Oh, tu vois, je n'ai même pas d'avis. Si, c'est là, dans Tchiluba, dans la langue maternelle. Jamais comme il est belge ici, il ne comprend rien. Alors, grande surprise, après avoir bien nettoyé, bien lavé, bien insulté la dame, et la dame se tourne simplement et dit, elle parle maintenant Tchiluba, cette dame-là. Il dit, c'est donc de moi que vous parlez. Ah non, non, non. J'ai dit, ah, il dit, mais c'est bien moi. Mais ce que vous me parlez. Donc, elle a répondu vraiment dans leur langue maternelle, exactement avec l'accent. Voilà, c'est ça le problème. J'ai dit, Dieu, notre Seigneur, nous fait passer. C'est pour ça que quand il y a une porte de travail, prends le travail. Ah bon, bref, on va rentrer là. Bon, j'ai travaillé à l'époque, effectivement. C'est pour ça que je sais aussi plafonner. Donc, quand quelqu'un vient faire des travaux chez moi à la maison, je le regarde bien. Il dit, ah, les frères ne connaissent rien. Non, les frères ne disent rien, mais ils connaissent bien. Comment on plafonne, comment on va penser. J'ai pensé aussi pour avoir la surface lisse que je fais aussi. Ah bon. C'est sur les expériences de la vie. Donc j'ai travaillé, donc je pensais. Et là, j'étais sur l'échelle parce que je devais poser le plafond. J'avais les trucs là pour protéger ma tête, finalement, parce que les plâtres tombaient. Et je pensais. Et pendant que j'ai pensé, la présence du Seigneur vint vraiment puissamment sur moi. J'étais sur l'échelle. Et puis quand j'ai senti qu'il était là, j'ai enlevé mon chapeau comme ça. Puis j'ai fait un peu comme ça, je me suis incliné. Alors, il me dit ceci, prie pour ton épouse parce que le lieu où elle se trouve, elle est vraiment en danger. Et j'ai incliné ma tête. Et j'ai prié pour elle, je priais. Et quand je priais, je sentais qu'effectivement, ok, ça va. Puis j'ai dit Amen. Et j'ai terminé. Et puis je l'ai appelé. J'ai dit, où es-tu? Il me dit, je suis dans une maison chez quelqu'un. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais cette personne, parce que je devais nettoyer. Alors, et qu'est-ce que tu dois nettoyer? Il me dit, mais elle m'a demandé de pouvoir nettoyer quelque chose comme ça. Et cette chose, en fait, ça, la forme. C'était quoi? Le crâne. Hein? Un crâne. Alors là, il dit, mais il m'a demandé de pouvoir essuyer ses crânes. Alors j'ai dit, surtout, ne les fais pas. Parce que vous savez que les gens dans la démonologie, oui, ce sont des choses dans lesquelles effectivement on fait des sacrifices. Et quand toi, tu passes aussi la main dessus, alors les démons lesquels on a eu à pouvoir invoquer trouvent leur salut, enfin trouvent leur chemin aussi pour pouvoir posséder la personne. Vous ne vous rendez pas compte?
dans différents endroits. Et surtout, vous qui aimez tellement aller, bon, je pars en bref, puis je reviens vite ici, qui aimez tellement aller dans des magasins pour acheter des bagues à gauche, à droite, avec des choses comme ceci, et qui aimez tant mettre des bagues à vos enfants, faites très attention. Oui, c'est important ce que vous entendez, frères et sœurs. Avez-vous remarqué, effectivement, prenons juste un exemple que vous voyez. Prenez celui qu'on appelle le pape et tous les qu'on appelle les cardinaux et tout ça. Ce sont tous des gens qui sont dans la démonologie. Regardez bien leurs doigts. Ils sont toujours assis comme ça. Quand ils vont pas, ils sont assis comme ça. Alors, regardez bien leurs doigts, les bagues qu'ils ont effectivement. Mais ces bagues-là ont des relations avec les incantations, les démons, bien sûr que oui. Les magiciens, les gens qui font les démonologies et tout ça, effectivement, dans tout ce que vous pouvez voir, regardez leurs doigts. Des alliances qu'ils mettent, effectivement. C'est pour ça que le Seigneur nous a parlé ici à longtemps. Vous qui aimez tellement le mariage, mettez les bagues. Mettez les bagues. Et c'est sûr. Il dit, frère et sœur, vous ne vous rendez... Oui, il est bon, ma bien-aimée sœur. Il y en a jusqu'aujourd'hui des frères et des sœurs dans la parole aujourd'hui, dans le message, comme je dis, effectivement, qui connaissent, mais qui ont toujours des bagues, malgré qu'on a dit toujours les bagues, en fait. Mais ça vient de l'Église catholique, ça remonte de longtemps, vous savez, de Babylone, les liens, mais bien sûr que oui. Vous m'avez vu sur moi demander un frère, mais moi j'ai dit, monsieur, vous voulez les faire avec les maires de la commune ou les bourgmestres, mais ici jamais. Parce qu'il y en a des bagues dans les assemblées. Ah, mettez les doigts, puis on va prier. Alléluia. Vous allez prier sur quoi? Mais c'est un Dieu étranger. Vous savez, même les prêtres, ils vous diront que cette alliance ici, c'est pas je suis marié avec Marie. Mais oui, vous ne posez pas de questions. Regardez-le, mais bien sûr. C'est sûr, mais vous êtes un frère, on ne m'a pas mis la bague, vous cherchez les démons pour rien. Il faut laisser les démons loin avec leur démonologie, vous sainteté à l'Éternel. Amen. J'ai toujours posé la question, montrez-moi dans la Sainte Écriture où Dieu a dit qu'on va mettre l'Écriture, ça c'est... Non, non, c'est pas, j'ai dit, l'alliance que nous avons dans les seigneurs et nous avons dans les cœurs. Amen. Éloignez-vous de cela. Et cela que nous voyons dans les Saintes Écritures aussi, il dit, ennemis des gens de bien. Nous sommes dans un temps tout à fait particulier. Nous devons chercher à pouvoir vraiment être dans la condition dans laquelle Dieu, notre Seigneur, veut que nous puissions nous trouver. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes ne va pas nous donner l'occasion. Le mal a pris une ampleur aussi énorme, en fait. Donc le tout autour de nous, regardez bien, partout, regardez aujourd'hui, je remercie Dieu pour ce qu'il fait au travers de ses enfants, de ses fils. Dans tous les domaines, on a imposé des choses pour que les sœurs se trouvent toujours dans la condition opposée de la parole. C'est vrai. J'ai aimé aussi les témoignages de notre sœur Jackie. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Vous suivez bien? Oui. C'est pour ça que je glorifie Dieu quand on en a. Ces jours-là, elle s'est levée et dit, si on n'accepte pas ma jupe à la porte, j'accepte de pouvoir aller à la porte. Et puis, quand on lui dit, mais tu dois venir avec des pantalons, tout ça, tu dois porter des pantalons, elle dit, bon, alors elle lui pose la question, mais ce que vous cherchez, c'est quoi? C'est le travail, que ce soit fait ou pas? Bon, si vous trouvez que les pantalons doivent faire le travail, je vous donne les pantalons qui fassent le travail et moi, c'est égal à juge, je m'en vais. Alors, je crois qu'il ne s'était jamais posé la question. Ah oui, c'est vrai. Ces jours-là, je crois que tu es devenu juste. Il dit, bon, oui, il n'y a pas... Tu voulais que les pantalons, que je vous prenne les pantalons qui fassent le travail. Ah oui, c'est comme ça, il dit, oh madame, il dit alors, oui, si vous me voulez, acceptez-moi avec ma jupe. Mais si vous voulez les pantalons, je vous donne les pantalons qui fassent le travail. Moi, je ne veux pas le travail avec les pantalons. Ça fait réfléchir. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dans votre cœur pour dire que Seigneur, non. Le monde veut que je sois opposé à ta parole.
Moi, je veux m'accrocher à ta parole. Amen. Je prends position. Amen. Et vous avez remarqué, nos deux enfants ont changé l'école. Amen. C'est-à-dire que l'attitude même de la direction dit, mais vous vous souvenez de nous? Amen. Noah et Sarah, vous vous souvenez? On ne veut pas que vous veniez avec des juifs, font pantalon, pantalon, pantalon. Les enfants ont dit, j'aime ces enfants. Noé qui dit, oh, si on nous fausse les pantalons, on va faire le malaise. Non, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, Seigneur, ah là là. Alors je me suis dit, et elles sont deux. Comment ils vont faire malaise? Donc Noah va tenir. Va tenir Sarah. Sarah, mais nous tombons ensemble. Frères et sœurs, ils ont changé l'école. Les gens, quand ils ont vu, mais en fait, Dieu les a tellement. Mais quand ils ont vu Dieu, Dieu a transmis ses enfants, ils ont vu, oh, ils brillaient comme ça. Mais ils disent, ouah, elle est tellement si belle. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et l'école a changé. Et quand on a pris aussi notre sœur aussi, Jackie. Alors on dit, mais bon, et c'est vrai, on n'a pas réfléchi. Jamais un pantalon ne peut faire le travail. C'est quand même la dame qui fait le travail. Et puis elle fait bien son travail. Le pantalon n'a jamais fait le travail. Et puis en plus, il dit, elle se sent bien aller. Et j'ai aimé la sœur Jackie aussi, il dit, madame, vous savez, si moi je travaille dans mon pantalon, dans ma jupe. Si c'est dans ma chip, effectivement, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, même le week-end. Non, tu es bon. Aïe, 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 aïe. Et vous savez ce que j'ai entendu aussi, que la dame, en fait, sur quel tu as se dire, tu sais, la dame aussi, elle appelle, viens, viens. Et je vais te montrer. Il dit, voici quand même ce que nous portions, nous, à l'époque. Ce que les hommes ont dit, c'était quoi? C'était une robe. Il dit, mais vous savez tous, là, mais pourquoi vous me compliquez? Est-ce que vous comprenez? Voilà comment vous pouvez ramener vraiment les gens dans les bonnes conditions pour qu'ils soient aussi corrects. Et si vous voulez dans le même sens que vous ne changerez pas les gens. Donc il faut que nous puissions être... Et puis, dans, en tant que fils et filles de Dieu, il ne faut pas être, quand, être comme si avec les gens, et puis vous voulez faire un peu pour pouvoir le plaire. Vous n'avez pas à plaire quelqu'un. Non. C'est comme un exemple, je vais vous donner effectivement, s'il faut que vous puissiez comprendre, c'est entre parenthèses. Hein. Je peux? Oui. Vous allez dans un restaurant. Oui. Je donne un exemple. Enfin, bon, enfin, bon, c'est un exemple, je donne. Eh bien, on vous met tout un tas de couverts qui sont là-dedans, vous ne savez pas lesquels il faut choisir. Il ne faut pas vous compliquer pour dire, bon, maintenant, et comment c'est? Non. Si c'est une louche, prenez la louche. Hein. L'important, c'est quoi? Ce que mon ventre est sur la nourriture. Par ma manière, oh, je vais prendre un couvert pour saumon. Et maintenant, tout couvert fonctionne avec saumon. C'est un exemple de Dieu, effectivement, il ne faut pas vous tuer pour. Je vais plaire au voisin parce qu'il a dit, et c'est pas manger. Non, je mange bien. Amen. Et si, par exemple, je trouve que les couchettes, ça ne marche pas très bien, je suis, mais eh ben, avec le. Ah, madame, mais oui, c'est comme ça que c'est ma bouche qui a envie de manger. Comme ça. Mais oui. Pourquoi se tuer avec des manières? Si il faut qu'on soit libre, c'est sûr, c'est sûr. On n'a pas insulté personne, mais je mange avec mes mains, parce que je trouve que mon ventre accepte ça. C'est ma bouche. Ça rentre chez moi. Vous allez voir que trois jours après, les gens vont commencer à venir. Ah, mais ça, c'est quand même bien de manger avec les mains. Pourquoi t'es révolutionné? Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Tenez-nous de la parole. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père et précieux sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci encore pour la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir t'avoir aujourd'hui, pouvoir te servir, Père Saint-Dieu. Nous sommes un peuple, Père, un peuple complet auquel tu as accordé la grâce de pouvoir voir les choses de la bonne manière, Seigneur. C'est nous qui devons changer le monde et ne pas le monde nous changer, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Celui qui devons montrer la manière juste au monde, comment avancer, Père Saint-Dieu, comment faire les choses, mon roi. Que ton Saint-Nom soit béni, Père Saint-Dieu. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Père Dieu. Nous voulons vivre l'évangile, mais vraiment la manière dont tu veux que nous la vivions. Et partout où nous passons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, il faut qu'il y ait un cachet que nous laissons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que les hommes puissent savoir aussi, savoir que vraiment qu'il y a un peuple qui aime son Dieu, un peuple qui s'accroche à la parole de Dieu. C'est que la cantique, comme dit Père, jusqu'à la mort, nous serons fidèles, même s'il faut passer par la mort, Seigneur, aide-nous à pouvoir réellement tenir, Père.
Bénis ton peuple, Père Saint-Dieu, qui est venu de loin comme des prières, Père Saint-Dieu, et ceux-là aussi qui sont donc en connexion, mon roi, nous te disons merci. Merci du fin fond de notre cœur pour ton amour et pour ta bonté, Seigneur. Et notre cœur s'attache et s'attachera toujours à toi pour te servir encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Et dans le jour à venir, encore plus dans chaque jour, mon roi, nous désirons tant que tu nous aides, Père. Oh Dieu, comme cet homme de Dieu l'a dit, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ notre Seigneur. Oh, nous tendons à ce qui est donc parfait, Seigneur. Aide-nous encore ce soir, et merci pour ce rassemblement, Père Dieu. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Merci vraiment, Père Saint-Dieu, de nous avoir permis d'être rassemblés en cet endroit. Sois donc béni, sois donc glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque jour, à chaque instant qui passe, Père Saint, mon seul soutien, dans les jours sombres à la passe, tu m'aimeras. Toi, j'ai fait. Tu verras avec Edam. À chaque jour, à chaque instant qui passe, t'as ressenti mon soutien. Dans les heures sombres, dans l'angoisse, guide-moi par tes conseils divins. Tendrement, tendrement, qui m'aime, oh mon Père, qui m'entoure près de tes puissants bras. Dans la vie des prévents, toi j'espère, tu m'iras vainqueur dans les combats. Ta parole est brillée sur ma route. Chaque jour, ta grâce et merci. Prie d'amère et prête, prie de douce. En Christ, j'ai trouvé ainsi la vie. Ni pardon, ni pardon, ni souci de ma table. À la promesse subsistera. Partagé par ta messe courable, joyeux j'ai ma pensée fatale. Ni pardon, ni souci n'est ton nom, mon bien-aimé sauveur.
Chaque jour, chaque réveil.